Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Runescape sur l'assaut du donjon, toujours en présence de Hyperion. Et me voici le pourfendeur de monstres. Voilà, cette intro a pris je ne sais combien de secondes pour je ne sais combien d'essais. On s'en fout, il y avait le style avec. Là n'est pas la question. Voilà. Allez, on est parti. Je vois que t'as fait quelques épisodes dans quelques donjons un petit peu dans tous les sens. T'as intérêt à liker. Là on est sur du médium, non? Attends, oui. Je crois qu'il y a un truc. Vraiment pas sûr. Je crois qu'on est dans les occultes. Ah non. Non. Ah mais ça me semblait bizarre justement. Hop. Eh bien, comment allez-vous? Ça aurait été une bonne question. Voilà, c'est parce qu'ils peuvent pas répondre. Mais cette question me fera toujours marrer. Ouais. Nous, ça va. Voilà. On a juste passé je ne sais combien de temps à faire cette intro. Wow. Avec les fails qui s'en suivent. C'est ça. Mais il y avait une récompense à la clé. Une intro sympatoche. Et des rires. Et des pleurs. Voilà. Et des femmes hystériques. Ouais. Enfin, en particulier le mec qui dit fuck you all. Ouais. Franchement, ce mec m'a vendu du rêve. Qui veut faire un dodge? T'es trop BL. Et oui, si vous croisez quelqu'un qui gueule fuck you parce que personne ne veut faire de dodge avec lui, c'est un rageux. C'est que vous êtes sur le serveur français. Voilà. Et que c'est pas. Bah, on en fait pas des plusieurs comme ça. 90 magie, c'est pour toi, bitch. Eh oui. Oh. Eh non. Eh oui. J'aime bien le eh oui. Eh non. Bah on peut pas aller autre part de toute façon. Allez, on crochète la serrure. Alors, nous sommes tous les deux 99 en voilà. Vol. Mmh. Pourquoi on nous fait cette compo? Oh, déguste cette salle. Ça va. Vas-y. Oh bah oui, bien joué. Eh oui. Franchement c'est rare de faire aussi bien du premier coup. Je dis avec l'intro. 90 coupes de bois, je peux pas. Il peut même pas essayer d'aider. Non, t'as vas-y, essaie. D'être gentil. Non, bah non, le temps que j'arrive, regarde. Ouais. Cette salle, si t'es pas devant ou au milieu, bah, je vais mettre au milieu d'ailleurs, bonne idée. Et ouais. Et oui, enfin bonne idée quand t'as envie de marcher. Enfin, c'est juste que je me suis dégagé pour montrer que je pouvais pas, mais. Nice try. Voilà. Allez, est-ce que tu tentes le piment? J'aime tenter et me faire fouetter. Je pense que je vais tenter un middle. Ouais, je vais tenter quoi. Ça j'aime bien quand tu as toutes les salles, enfin toutes les possibilités sont pas possibles. Oui, oui, non, non, d'accord. Allez, peut-être là. Et cette salle est particulièrement chiante. Voilà. Et là, c'est la fin et tout le monde est content. Ah, tout le monde est content quand on la voit se détruire cette plante. Ah, c'est sûr. Hop. Cool, c'était juste une petite porte bonus ici. Et là il y en a avec une porte gardienne, ouvrir, sans rien. Gardienne. Mm-hmm. Donc un dungeon qui commence un petit peu bizarrement, en douceur, on va dire. C'est avec ça. Un petit fail sur la porte de magie et un 79 en herblot. Heureusement on a. On a un fail encore car c'est un petit peu drôle. Donc voilà, ouais, qui tape moins fort, vas-y essaie. Alors là on a quoi? On a une clé. Et un esprit ténébreux, honnêtement ça fait beaucoup de portes à skill, je redoute. C'est bon. Et non, ça passe. Parce que quand vous avez trop de portes à skill, Oula, ça devient tendu. Je pose la pierre de l'ultitel. Je tue ces mages quand même, qui nous ont offensé. Voilà, et qui m'a figé. Ok, je te venge, jeune hobbit. Ah ouais, rien que pour ça, je vais le taper. Et enfin, un... si j'ai le temps. Un coup de maul venu du Mordor. Franchement, je sais pas si je vous ai détruit les oreilles quand j'ai rigolé, mais... Je crois que le mot Mordor me fait trop délire en fait. Moi je suis tel au début, ouais. Avec mon don de prescience et ça marche. Parce que, ouais. Là c'est une triangle pourpre. Ouais, chien 198, si tu pouvais venir lui arracher les entrailles avec moi dans la joie, ce serait drôle. Je sais pas, là j'ai une porte à ouvrir aussi, tu veux que je vienne ou. Ouais, si, allez, j'arrive. Il est un petit peu relou quoi. Ouais. J'ai posé ma pierre de tel.
Et on va te rejoindre. Il aime bien me croquer les boules de Noël. Sinon, il y a aussi les cadeaux de Noël. On est pas dans le 77. Est-ce que à deux, ce mec résiste? Enfin, ce chien. Ouais. Est-ce que le chien est supérieur à l'homme? Ça a été prouvé par le game. Que oui. Ça fait un peu mal au cul, mais c'est vrai. Enfin, il est quand même sur 98. Et oui, il est plus HL que nous, au final. Voilà, donc il a d'ailleurs, pas de moi, mérite. Je le vois en orange foncé. Moi, je le vois en rouge parce que je suis un BL. T'inquiète pas, un jour tu... Ça va bien se passer. Et vous aussi, d'ailleurs. Ouais, là, normalement, j'ai eu la pierre pour... Là où il y a la pierre de TP. Ok, sauf que moi j'ai pas fait la de clé. Ruine de loi, car je n'ai pas beaucoup de brain. Donc bah, je vais m'en faire tout simplement. Donc je ne serai pas avec Zef pour ce petit moment. Hop. Non mais je sais c'est pas bon. Pourquoi, d'un coup j'ai eu envie de chanter le petit bonhomme en mousse. Vous avez eu de la chance. On y a échappé, c'est bon. Pour l'instant. Est-ce que tu aimes te TP sur moi alors que j'ai fini? La guerrière oubliée qui te sert à rien. À part à montrer ses boobs. Ouais, ça va. On se demande pourquoi ils lui ont pas fait plutôt une cuirasse. Ils avaient envie d'attirer la clientèle. Là, il faudra un rectangle jaune et je viens de ramasser une lune. Une lune, c'est dégueulasse. Ah ouais. Mais je viens de ramasser une lune. Pose ta pierre. Yap yap. Mais d'abord, réflexion. Réflexion. Je sais pas où aller. Où aller dans ce monde? Oh putain, un mage. Bon bah. Si t'as posé ta pierre, rejoins-moi. Oui. J'aimerais. Mais je vais plutôt aller vérifier de en haut, les portes peut-être. Ouais. Là je sais que j'ai une porte possible à ouvrir, c'est juste que je m'occupe du mage. Et oui, c'était la lune de. Voilà. Coucou. Tu veux voir ma lune? Non. Ouais, tu loupes quelque chose. Encore un scooter en boss. Ah cool. Tout le monde enchaîne les mêmes boss, hein, mais c'est pas nous qui décidons. Ouais. C'est eux qui aiment bien aimer deux fois d'affilée. Voilà. J'ai eu la clé triangle pourpre, je sais pas si tu vois où elle est. Oui, je suis pile devant, donc oui. Ça se goupille plutôt bien. Et cette expression n'est plus utilisée depuis 1950. Voilà. Et encore, t'es généreux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une porte simple avec une ombre mystérieuse qui a l'air de se faire chier. Bah, on peut la comprendre. Occupe-la un petit peu. Ouais, mais je vais plutôt faire cette porte gardienne. Ouais. C'était quoi la clé de... Ah oui, rectangle jaune. Eh oui. Tu l'as? Non, justement, je vais t'attendre. Je vais te l'obtenir, je pense. Ouais, bah non. Je suis bon. Putain, et généreux. On a presque tout fini, quoi. Ouais. Dommage que t'aies pas la pierre de TP sur toi. T'inquiète, je te la ramasse, je l'ai. J'aurais dû faire un truc. Là, j'aime pas ça, une porte construction. Et Dieu sait qu'avec Zephyr, on n'est pas très bon dans les skills qui coûtent la peau du cul. Voilà. Et ça passe. Cool. Parce qu'on s'appelle pas Crésus. Eh ben, on a fini. Par ici. Moi aussi. Regarde ta carte quand même pour en être sûr, mais il me semble qu'on a fini. Eh ben, c'est l'heure du boss. Tu duel. C'était presque ça, mais tu n'as pas une voix digitalisée. Je suis voilà. Désolé. Petite ça, référence. Je suis un petit peu derrière. À vous de la retrouver. Voilà, encore une fois. J'espère pour vous que vous avez une enfance. Non, je déconne. Mais vous devez la trouver aisément. Moi, j'ai pas eu d'enfance. De d'ailleurs. Tant pis. Je commence le boss. Parce Vas-y. Qu'il me fait de l'œil. Petite blague. J'espère que vous avez apprécié. Franchement, moi, j'ai apprécié. Putain, faut que j'arrête de rire sur ces blagues. Qui m'indigne en fait. Voilà, je lague un petit peu. Lagui. Hop, on va allumer les torches. Pourquoi il me regarde quand il fait son attaque spéciale, quoi? Très excité par toi. Bon. Heureusement que c'est pas réciproque. Ouais. Hop. Bon, là il le fait un petit peu souvent là son attaque. Un petit peu. Ouais, on avait plus de chance, mais ça a l'air d'être random. Ouais, allez, je tente.
Voilà, c'est pas grave. Il faut bien subir un petit peu. Mais là, les lampes sont toujours allumées, alors que avant, au début du dungeon, en fait, fallait tout le temps les allumer, quoi. Ouais. Donc en fait, on peut le solo facilement maintenant. Voilà. Et je ne le savais pas. Eh bien, c'est la fin, les amis. Oui. Sur ce, on vous souhaite des bons dungeons, de l'XP à flot. Voilà, comme. Et au revoir. Allez, salut.